Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un truc, frelon européen, Vespa crabeau, une espèce qui est à conserver, mais là, vous allez comprendre que là aussi, c'est pas possible. Pourtant, regardez. Franchement, ils avaient tout pour plaire. Très beau parc, hein, on est en pleine campagne. Le frelon asiatique, de toute façon, lui, est plutôt urbain, mais on arrive quand même à en trouver quelques-uns en campagne. Donc voilà, on a de tout comme arbres, des chênes, des platanes, des tilleuls, des arbres en bois, etc., etc. Eh bien non, lui, il a réussi à se mettre derrière une fenêtre. Alors, c'est pas un très gros nid, donc vous allez voir qu'en fin de compte, je vais hop, faire du noir, comme ça on va pouvoir le filmer très tranquillement. Voilà, et vous allez voir que là, je vais m'éclairer avec mon truc japonais, hein, hop, si ça veut bien marcher, voilà. Et donc vous allez voir que là, bon, on a un problème pour le garder. Voyez où il est? Il est très 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 mal placé. Donc on peut pas le garder là, c'est pas possible. La dame, elle peut plus ouvrir son volet. Alors on va ouvrir tout délicatement parce que c'est une espèce qui est quand même très intéressante, mais elle est quand même un petit peu très dangereuse aussi. Donc vous voyez, la structure du nid est exactement comme le frelon Vespa crabeau. Et là, on le reconnaît bien, pas de jaune. Pas de jaune, pardon, de corps jaune. Puisque, vous voyez, et là, voilà, en fait, leur système, il passe là-bas. Et hop, vous voyez. Alors, le problème du frelon européen, c'est que, bon, bien sûr, là, quand il est comme ça, on n'en parle plus. Mais c'est aussi qu'il vient quand même très, très souvent aux lumières. Vous voyez. Donc, c'est même structure, à la seule différence, elle est là. Voilà, c'est que dessous, en fait, vous avez le nid qui est ouvert. Donc en fait, là, je ne sais pas du tout ce que vous voyez, mais je pense que vous voyez des choses très intéressantes. Ah, on a entendu un bip-bip, il n'était pas content celui-là. Donc là, en fait, vous avez le nid qui est ouvert dessous, hein, c'est caractéristique du frelon. Et donc voilà, vous êtes, on est en visu complète sur un nid de frelon européen. Et là, tiens, regardez celle-là qui vient, qui ramène un petit truc à manger. Regardez, là, une petite boule, sûrement une petite mouche. Frelon européen chasse aussi, hein, les abeilles, mais c'est beaucoup plus light. Et on va dire que c'est presque plutôt de la régulation qu'autre chose. Alors, voilà, le nid de frelon européen, dans les maisons, on ne peut pas le garder. On le garde seulement quand il est en extérieur. Ah, là, ils m'ont vu. Alors, ne vous inquiétez pas, ils vont rester aux lumières. Voilà, vous voyez, j'ai fait une simple petite vibration et en fin de compte, ils sont tous arrivés sur la lumière. Donc bon, on va les laisser se calmer 2 minutes. Donc vous voyez quand même que le frelon européen, même si on a l'impression qu'il est très calme, il peut être aussi quand même un peu très très susceptible. C'est exactement ce qui vient de se passer. Donc on y fait quand même gaffe, hein, c'est un frelon qui peut être aussi très incisif. En fait, ils m'ont tout simplement vu. Voilà. On va les laisser se calmer 2 minutes. Voilà, les laisser aller dehors. Allez les frelons. Voilà, du coup, ils sont un peu perdus, en fait, les pauvres. Mais ils vont ressortir parce que le frelon vient, en fait, aux lumières. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va laisser ouvert. On va laisser ouvert, histoire de les calmer. Voilà. Allez. Donc, comme le frelon asiatique européen, autant pour moi, est très, 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 très attiré par les lumières, c'est en fait son problème. Vous voyez? Voilà. Donc là, le nid a été traité. Hein, tout petit pchoute de produit et ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre 3 kilos.
Et puis maintenant, bah, il va ressortir, et puis voilà. Et on pourra décrocher le nid comme le frelon européen, comme le frelon asiatique dans les. Putain, aujourd'hui je bégaye, hein, c'est parce que c'est samedi. Enfin bon, voilà. La suite au prochain numéro, et puis à bientôt.